Une vingtaine de kilomètres de voies bitumées, c'est ce que font ces entreprises retenues pour le bitumage des principales rues de Boaké. Ces entreprises sont donc à la tâche pour respecter le délai de livraison des travaux. En ce qui concerne notre structure, nous avons pour la première phase des travaux, nous avons près de 7600 mètres linéaires de revêtement à faire. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes à peu près à 7000, C'est près de 7 km déjà réalisés. La réalisation de ces travaux est supervisée par le Bureau National d'Études et de Développement Technique BINET qui veille au gré. Dans les travaux sont satisfaisants. Nous pensons que nous allons arriver vraiment à la date prévue. Et vraiment, les travaux seront vraiment achevés. Mais après la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Gweke, une deuxième étape de ces grands travaux est prévue. La première phase, c'est ce que nous sommes en train de faire, ça c'est l'emploi partiel. Qu'est-ce que ça dit Ça dit c'est les voies qui existent, les bitumes existants. Et nous faisons des réparations. Après le départ du président, les travaux vont continuer. Ça, on peut rassurer tout le monde. Boaké, capitale de la région de Gbeke, avec tous ses chantiers, est donc bien parti pour relancer son développement.